Salut à tous les amis, bienvenue aujourd'hui pour le 10e épisode de l'Otactu, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, dans l'Otactu, on va parler de quoi? On va parler des 10 animés préférés des Japonais pour ce printemps. Je vais aussi mettre en avant un manga dans la rubrique manga qui est en plus un manga français. Quelques infos sur les nouveaux jeux My Hero Academia, Black Clover. Et pour terminer, une info what the fuck qui sent des pieds. Otactu épisode 10, c'est parti. À la 10e position, et je suis un peu déçu de cette place, on retrouve Golden Kamuy. Il semblerait que la folle aventure de Sugimoto et d'Ashirpa sur les traces du vieux trésor Ainu ne passionne pas les Japonais. À la 9e position, on retrouve Inamatsuri, un animé seinen tranche de vie où l'on suit Nita, un jeune yakuza, qui va se prendre d'affection et accueillir la petite Ina qui a des pouvoirs de télékinésie mais qui ne sait pas tout le temps les contrôler. À la 8e place, on retrouve Magical Girl Boy. C'est tout simplement l'histoire loufoque d'une apprentie idol qui rêve de devenir Magical Girl. Elle va arriver à ses fins, sauf que, quand elle va se transformer en homme. Quelque chose d'assez what the fuck, mais qui a l'air quand même assez drôle. À la 7e place, on retrouve Devil's Line, que beaucoup jugent comme un Tokyo Ghoul du pauvre, alors que d'après ce que j'ai compris dans Devil's Line, on est plus autour de quelque chose un peu d'histoire d'amour entre hommes et vampires, ce qui n'a rien à voir avec Tokyo Ghoul. À la 6e place, on retrouve Tada Never Falls in Love. Encore un animé de tranche de vie school life, mais cette fois-ci un peu plus tourné vers la romance. Tada, jeune lycéen, membre du club de photographie, va un jour tomber sur Teresa Wagner, originaire du Luxembourg. Cette dernière est inscrite dans son école et on va suivre leur petite romance. On attaque le top 5 avec SAO Gun Gale Online. Dans l'univers parallèle de Sword Art Online, enfin c'est un spin-off, Reki Kawahara, qui est toute grande dans la vraie vie, un personnage mignon et kawaii dans le monde de Gun Gale Online, est dotée de capacités surprenantes. Elle va donc manier son Pichan Cherry, qui est sa mitraillette, pour se faire un nom dans ce monde où les armes parlent à la place des mots. Et ça c'est beau. À la 4e position, on retrouve Ozuki no Reitetsu saison 2. Partie 2, c'est un seinen de comédie où l'on suit Ozuki, tout simplement, qui est l'adjoint du roi des enfers. À la 3e place, on retrouve la saison 3 de My Hero Academia. À 2e place, on retrouve Tokyo Ghoul Re, et je trouve ça quand même assez surprenant, étant donné le niveau de l'animé de Tokyo Ghoul Re qui n'est pas incroyable, enfin, comparé en manga. Et en premier, on retrouve Otake Otake. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un petit couple, Narumi, qui est une fille otaku qui aime les boys love, et Hirotaka, un hardcore gamer. Encore une fois, on est sur de la romance, tranche de vie, comédie, et ça, les Japonais adorent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est pour vous le meilleur animé de cette saison. Dans la rubrique manga cette semaine, j'ai envie de mettre en avant le manga Orion qui est sorti le 2 mai chez les éditions Glénat. Tout d'abord car c'est un manga français qui est fait niveau scénario par Ayenke, qui est en plus un youtubeur, donc si on peut donner un peu de force ça fait plaisir, et dessiné par NIB. Orion, ça va être difficile de vous parler du manga sans trop spoiler, tant il se passe de choses en fait dans ce premier tome. On est censé suivre en fin de compte l'histoire de Koza, accompagnée de son meilleur ami Value. Koza entraîne Value à la recherche de son frère. Sans nouvelles de celui-ci, tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'en est allé vers la cité de Landgrave. C'est une cité indépendante où vivent ce qu'on appelle les éveillés. Ils sont dotés chacun de pouvoirs spéciaux, mais pour les avoir acquis, il faut avoir sacrifié sa vie. Tout du moins, avoir mis sa vie en jeu. La question de ce premier tome est donc de savoir si Koza va retrouver son frère, ce qu'il est devenu. Mais ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans ce manga, c'est qu'il y a énormément d'histoires annexes qui font quasiment oublier la quête principale de nos deux personnages. On y découvre des personnages hauts en couleur, subtilement amenés et qui restent assez mystérieux. Ajoutez à cela que Value fait partie d'une famille de la haute noblesse, et je vous laisse imaginer dans l'embarras que ça va les mener. En tout cas, le tome 1 était super agréable à lire. Le tome 2 sort le 4 juillet 2018. C'est validé et je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil.
Dans l'actu jeu vidéo, on va pas parler du patch de Dragon Ball FighterZ qui a eu lieu le 9 mai, puisque de toute façon tout le monde s'en bat les couilles du jeu, y a qu'à voir les streams où on est 300 live alors qu'on est 1000 sur Dokkan Battle, alors si vous voulez toutes les infos, bah trouvez-les. Mais on va parler de vraies infos intéressantes. Sur le prochain jeu My Hero Academia intitulé Once Justice, on apprend encore de nouveaux persos jouables qui sont Tokoyami, Jiro et Kirishima. Ça commence à nous faire une bonne ribambelle de persos, et je reprends espoir en ce jeu, ça partait pourtant très très mal. Et autre info cette fois-ci, ça concerne le jeu Black Clover Quartet Knights, puisque Vanessa et Karna ont été confirmés comme personnages jouables, des persos dont je ne sais même plus qui ils sont, et on a un trailer de gameplay pour Asta. Bon, ce qui fait en personnages jouables confirmés pour l'instant Asta, Karuna, Noël, Yuno, Luck, Voltia, Mania Swing, Gauche Adlai et Mimosa Vermilion. C'est cool, non ? Vous ne rêvez pas, vous voyez bien un homme allongé, tête contre sol, sous le pied d'une jeune japonaise. Cela se passe à la station de Shibuya et ça a choqué pas mal de personnes. Puisqu'au cas où vous ne le sauriez pas, au Japon, il est très très rare, même pour les couples, de les voir se tenir la main ou s'embrasser en public. Mais ici, on peut voir sous différents angles cet étranger se prendre un pied dans le visage, même jusqu'à la chaussure dans la bouche. Et le pire dans toute cette histoire, c'est qu'il était conscient et consentant. Cet homme est connu sous le pseudonyme de Lushan sur Twitter. C'est un Américain qui est venu au Japon pour enseigner l'anglais et qui est fan de fétichisme. Il a même expliqué clairement le fait de se faire humilier en public lui procure une certaine excitation. Ah franchement, après l'histoire de Logan Paul et lui là, je me demande quelle image vont avoir les Japonais de nous. Bon, c'est pas une raison pour faire n'importe quoi quand vous êtes là-bas, hein. Tenez-vous à carreau. Bon, au pire, si vous voulez acheter des culottes usagées, allez dans des endroits pas trop fréquentés. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai sauté, je suis en forme aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, comme d'habitude. Abonnez-vous, on se retrouve dans 2 semaines, même jour, même endroit, même heure. D'ici là, prenez soin de vous, et à très bientôt. Jana.